Un quad neuf consacré aux nouveautés matérielles sur la station. Nous le débutons chez Sport 2000 Snow Shop avec Christian Belpois qui nous propose une nouveauté en matière de glisse. Tout à fait. À Isola 2000, il y a une boucle de ski de fond qui fait environ 3,5 km. Mais avec les aléas du damage, qui n'est pas fait pour diverses raisons, de manière régulière, les pratiquants peuvent avoir des problèmes. En ce sens que le vrai ski de fond nordique qui se pratique sur pistes tracées et balisées est un ski très étroit, avec une chaussure relativement souple qui est fait pour évoluer dans des traces. D'accord ? À l'opposé, complètement à l'opposé, vous avez la randonnée alpine que tout le monde connaît, ski de piste avec pot de phoque, fixation avec système et cale de montée, chaussures rigides avec système montée-descente, avec des manœuvres parfois un petit peu fastidieuses, enlever les peaux, mettre les peaux, mettre la position montée sur les skis, sur les chaussures, etc. L'avantage du ski de randonnée nordique, cette nouvelle sorte de glisse sur Isola 2000, mais qui existe depuis des temps immémoriaux, c'est-à-dire ça se pratique en Norvège, en Suède, en Finlande, c'est un ski de randonnée nordique. Ce ski a la particularité d'être plus large qu'un ski de fond, d'accord, mais équipé de cars, de façon à avoir une meilleure tenue dans les dérapages sur la neige dure, et surtout avec des chaussures beaucoup plus rigides, avec une meilleure tenue latérale et longitudinale qu'une chaussure de ski de fond. Ça permet aux skieurs d'évoluer en terrain nordique, je dis bien nordique, c'est-à-dire ce matériel n'est pas adapté pour des montées très importantes et des descentes très importantes. On reste sur un relief vallonné nordique, même si la piste n'est pas tracée et damée. C'est une bonne alternative sur Isola 2000 et il y a d'excellents endroits où on peut pratiquer, notamment le chemin des Italiens, vers la piste Grizzly et derrière le col de la Lombarde. Du coup, c'est plus adapté en même temps pour les débutants, pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait de ski de fond et qui veut s'y essayer. Ah oui, tout à fait, parce que on a tendance à croire que le ski de fond, c'est facile à faire. Non, le ski de fond, c'est un sport très technique qui nécessite beaucoup d'équilibre. Donc, tant que c'est plat, tout va bien. Hein, on glisse, on marche, on glisse. Mais dès qu'il y a des montées ou des descentes, ça devient compliqué. Ici, vu la spécificité du matériel, qui, comme on dit, est large, stable, qui accroche beaucoup plus, la pratique est beaucoup plus facilitée pour les débutants. Et comme je le répète, si la piste n'est pas damée, les gens peuvent quand même aller pratiquer en toute tranquillité. En général, on pense que le ski nordique, ça se pratique dans des stations de basse altitude. Le fait de le pratiquer à plus de 2000 mètres, c'est gênant, c'est problématique. Alors, il est vrai que les altitudes idéales pour la pratique du ski de fond, sur le plan cardiaque, se situent entre 1000 et 1500 mètres. Mais il n'empêche qu'on peut pratiquer à des altitudes beaucoup plus élevées. Si on reste dans un rythme promenade et non pas un rythme intense de compétition. Seuls les athlètes de très haut niveau peuvent pratiquer le ski de fond à 2000 mètres, de manière, je dis bien, très intensive. Pour preuve, l'été, sur les glaciers, il y a des pistes de ski de fond aménagées au mois de juillet, au mois d'août, pour les coureurs de Coupe du Monde qui s'entraînent. Donc il est possible de pratiquer le ski de fond même à 2000 mètres, à condition d'avoir un très bon cardio. Tu peux nous présenter le ski de ski de fond, voilà. Classique, on connaît. On commence par le ski de fond pur. Comme vous le voyez, c'est un produit qui est très étroit, d'accord, très léger, avec bien sûr une instabilité latérale qui est très importante. En plus de ça, dessous, la semelle n'est pas équipée de quarts, donc au niveau du dérapage, au niveau des virages, c'est quand même problématique et il faut quand même avoir une bonne pratique et un très bon équilibre. Et cela ne se pratique uniquement que sur une piste damée, tracée et balisée.
À l'opposé, vous avez ce fameux ski de rando nordique. Donc, il est plus large que le ski de fond normal. Donc, beaucoup plus stable. Très léger également. Si on regarde la semelle du ski, elle est équipée de quarts. Elle est équipée de quarts qui permet de glisser et de prendre des virages beaucoup plus facilement et de déraper beaucoup plus facilement. Meilleure tenue du ski. En plus de ça, ce ski est équipé d'écailles, ce qui facilite l'accroche en montée. Donc meilleure stabilité sur le plat, meilleure stabilité à la descente. Étant donné que le ski est plus large, on peut pratiquer, je dis bien sur du terrain nordique, on peut pratiquer sur une piste qui, elle, ne sera pas balisée et damée. Il n'y a aucune restriction là-dessus. Pour la fixation, il existe une petite cale de montée. Et l'attache de la chaussure se fait par l'avant, comme avec les skis classiques. Il n'y a pas d'attache à l'arrière. C'est un vrai ski de fond, le talon n'est pas attaché à l'arrière. Simplement la tenue longitudinale et latérale est multipliée par 3 vu la largeur du ski et la rigidité de la chaussure. Donc du coup, c'est des skis que tu proposes à la location? Exactement. Ce sont des skis que je propose à la location depuis cette année, pour les raisons expliquées précédemment. Vous les trouvez chez moi au magasin Snow Shop en Seine Sport 2000 à côté du tabac. Et je peux éventuellement, dans la mesure de mon emploi du temps, accompagner les gens pendant 2 heures ou 3 heures en balade dans le cadre de mon statut de moniteur à l'école de ski. Il faut préciser qu'il vaut mieux réserver peut-être aussi. Oui, il vaut mieux réserver. Il vaut mieux appeler le magasin et réserver les skis. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, vu que c'est une activité que je viens de mettre en place et j'attends un petit peu de voir les proportions que ça prend pour étoffer plus le parc. Allez, merci. Direction le front de neige pour le test ton style par Ski 7 et c'est Luc Morisset qui va nous présenter comment ça fonctionne. Alors Luc, aujourd'hui tu proposes via, on va dire, deux grandes marques des tests de matériel. Oui, tout à fait. On a fait avec des partenaires Oakley et Fisher la possibilité de tester les produits. Donc la Fisher a amené sa collection de skis de l'année prochaine et les gens peuvent essayer les nouveaux modèles et la même chose pour les masques Oakley. À la suite de ça, on fera en plus un tirage au sort ce soir où les gens pourront gagner des masques Oakley Prism. Voilà. Et en plus, tous ces produits, on peut les retrouver dans tes boutiques. Tout à fait, on peut les retrouver. Bien sûr, les skis, c'est la collection de l'année prochaine, donc on peut déjà les tester en vue d'un achat pour l'hiver prochain, parce que c'est des skis qui seront disponibles en début d'hiver prochain. Tanguy, alors, nouveauté Fisher, c'est quoi cette année? Donc aujourd'hui, on est avec Maurice Esport à Isola 2000 pour tester les nouveautés 23-24, pour l'hiver 23-24. Et on a comme grosse nouveauté cette nouvelle chaussure RC4, donc avec, comme on voit sur l'avant de la chaussure ici, un boa qui permet d'avoir un serrage précis et homogène sur tout l'avant du pied et d'avoir une grosse force de réglage sur l'avant du pied. Donc c'est vraiment un nouveau système révolutionnaire et on l'a aujourd'hui en test pour essayer au magasin. Alors ça apporte quoi ce réglage complémentaire? Alors voilà, comme j'ai dit, on va avoir un réglage précis sur l'avant du pied au millimètre. Donc on voit que vraiment on peut régler au millimètre et desserrer au millimètre pour avoir vraiment de la précision. Et ça va venir envelopper tout l'avant du pied pour avoir un serrage plus homogène et qui vient vraiment englober tout l'avant du pied plutôt que d'avoir un effet d'écrasement. Et un peu de ski aussi quand même, parce que ça va de pair, on va dire. Ouais, tout à fait. Donc on a renouvelé toute notre gamme randonnée avec des nouveaux Transalpes, avec une construction avec une plaque titanale en noyau bois Polonia et des inserts carbone, donc pour des skis toujours aussi légers, mais pour améliorer les performances à la descente. Et ensuite, on a
développé des skis entrée de gamme sur la gamme RC4, donc avec le Power et le Power TI, donc des skis qui commencent à être taillés, mais pour qui sont quand même accessibles pour un plus grand public. Au niveau prix, alors justement, on se classe où? On peut en parler? Oui, tout à fait. Donc sur les Power TI, on va être entre 600 et 700 euros la paire de skis avec les fixations. Et pour les chaussures? Et les chaussures, sur le modèle 130, on est à 750 euros. Et on a des modèles inférieurs en flex et supérieurs, donc avec des prix inférieurs ou supérieurs. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé. Fischer, c'est quelle origine comme, comme constructeur? Donc Fischer, c'est une marque autrichienne qui a été créée par Joseph Fischer en 1924. Et la grosse force de Fischer, c'est qu'aujourd'hui, ça reste toujours une marque familiale et que la société appartient toujours à la famille Fischer. Ok, donc tous ces produits, on peut les retrouver chez Maurice Sport, entre autres. Voilà, vous pouvez les retrouver chez nos partenaires, dont Maurice Sport ici. Les fixations sont Fischer. Oui, donc on a deux types de fixations, soit sur l'alpin, soit sur la rando. Donc nous avons des partenariats faits avec Tyrolia pour toutes les gammes alpins. Et les fixations de randonnée sont en partenariat avec Dynafit. Justement, tu parles de ski de rando. Comment ça se passe si on veut tester un ski de rando? Eh bien, il suffit d'avoir les bonnes chaussures, donc des chaussures avec des inserts pin à l'avant, donc des petits trous qui sont sur l'avant de la fixation pour pouvoir mettre des fixations adaptées sur les skis de rando. Ok, merci. Je vous en prie. Les essayeurs peuvent donc, le temps d'un essai, partir sur les pistes pour tester les skis qui sont réglés par le personnel de chez Fischer en laissant simplement leur ski et une pièce d'identité. Valentine, alors vous présentez la marque Oakley. La marque Oakley, exactement, enchantée. Alors Oakley, c'est quoi comme marque? Alors c'est une marque américaine, multisport, donc on vend pas mal de matos, notamment dans plusieurs milieux sportifs comme les sports d'hiver, donc le ski principalement, beaucoup le vélo, le triathlon, le mountain bike. On équipe aussi pas mal d'athlètes en MotoGP, en surf, enfin voilà, on est quand même sur pas mal de créneaux. Et aujourd'hui, je suis là pour faire tester des masques de ski, qui est un gros business chez nous. Parce qu'au clair, on le connaît surtout pour les lunettes, on va dire. Et je vois que vous faites également des casques. Exactement, on fait les casques de ski depuis 2016. C'est arrivé sur le marché en 2016. Les casques de vélo, eux, sont arrivés en 2018. Donc, c'est pas notre business de base. Le business de base, effectivement, c'est les lunettes de soleil. C'est une marque qui a été créée en 1975 à la base. Le premier objet inventé par Oakley, c'était une poignée de motocross. Et puis après, le créateur de la marque, Jim Janard, a développé un masque de motocross. Et puis en 1985, la première lunette de soleil est apparue. Et par la suite, effectivement, on a développé la gamme de masques de ski. Mais vous avez raison, au départ, Oakley, c'est des lunettes de soleil. Et du coup, les nouveautés pour cette année, c'est quoi? Alors, les nouveautés pour cette année, c'est principalement des écrans qui vont apparaître dans notre gamme tout temps. C'est-à-dire que sur le ski, on a donc une technologie qui s'appelle la technologie Prism, qui permet d'accentuer les contrastes et les reliefs, et du coup de mieux voir les reliefs sur la neige, donc une bonne différenciation entre une neige poudrée, une neige verglacée, une neige damée en fonction de la météo. Et en l'occurrence, on a trois catégories d'écrans. On a du beau temps, du temps polyvalent et du mauvais temps. Et là, sur la partie polyvalente, avant, on avait que 2-3 écrans différents. Et aujourd'hui, on a 6 écrans différents avec deux nouveaux écrans qui sont le Sage Gold et le Rose Gold. Donc, c'est des écrans polyvalents, un écran rose, un écran un peu plus vert kaki. Et puis après, au niveau des montures et de la gamme de masques, on n'a pas tellement de nouveautés cette année. On en a deux qui sont apparus l'an dernier. Le Fly Tracker, qui va ressembler de manière assez étroite à notre Fly Deck, mais sauf qu'il a tout le contour autour du masque alors que le Fly Deck n'en a pas. Et on a le Fly Pass,
qui est le masque porté par Alexander Kild, qui a gagné, je crois, le championnat du monde, Coupe du monde à Courchevel la semaine dernière. Donc voilà, un masque avec une grosse largeur d'écran. Donc ça permet de bénéficier d'une bonne prise au vent et d'un large champ de vision. En plus, les gens peuvent vraiment essayer le masque et le casque. Ils peuvent partir sur les pistes avec et vraiment les essayer en conditions réelles. C'est vraiment pour ça que je suis là aujourd'hui. L'objectif, c'est ça. Hein. J'ai une cinquantaine de masques en test là pour la journée, ainsi que quelques casques. Et l'objectif, c'est que les gens puissent aller skier la matinée avec notre matériel pour tester la technologie Prism, tester le confort de nos casques et puis débloquer leur conscience d'achat et puis éventuellement être convaincu par nos produits et ensuite pouvoir aller les acheter chez Maurice Esport qui sont les référents aux clés de la station et mes clients de chez Isola 2000.